Salut, c'est Julien Guerrier, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Le driver, moi j'ai l'ancienne tête, je joue le TSI 2 en 9 degrés, shaft Mitsubishi prototype en 65 grammes en X, et puis j'utilise des mid-size MCC plus 4, parce que je me souviens plus du nom à chaque fois, mais j'aime bien ces grips parce qu'ils ont la particularité d'avoir la main droite qui est aussi épaisse que la main gauche. Là, j'ai la même gamme sur le bois 3 qui est le TSI 2, mais moi je l'ai en 16,5. Pourquoi j'ai pris en 16,5? Parce que le 15 degrés, j'ai une distance qui est trop longue, qui est trop proche du driver, et c'est important pour moi d'avoir entre mon driver et mon fer 2 une distance qui est à peu près intermédiaire. Après, j'ai une petite particularité quand je suis à peu près 240 mètres sur tee, 235 au sol. J'ai ce bois qui me permet d'être aux alentours des 225-230 mètres, qui est le TSI 3. C'est un hybride qui est en 18 degrés, qui peut être transformé en 20 degrés comme en 19 degrés. C'est mon bois 3, on va dire, de secours, selon le type de parcours. Et après, moi, j'ai ma petite arme, le fer 2. Ça, c'est pour moi, c'est un T200 en X100 Dynamic Gold, toujours avec les mêmes grips. C'est un peu mon club fétiche, toujours dans le sac. Et ensuite, c'est des CB de chez Titleist, toujours en X100, du fer 3 au fer 9. Et après, je passe chez Voke, du pitch au 58. J'ai un 46 degrés en SM9. Ensuite, j'ai un 52, pareil, en SM9 de chez Voke. Et un 58. Et en fait, c'est un 10 de bounce en S. Mais ensuite, en fait, Titleist a travaillé. Donc, je suis passé de la MB à la CB. Pourquoi? Parce que pour avoir une semelle plus large. Parce qu'en fait, moi, sur les semelles plus petites, j'avais tendance à avoir le club qui restait longtemps dans le sol. Donc, le gars de Voke m'a fait un petit custom. Il m'a un peu limé le devant du club là, pour que le club ressorte plus facilement. Du sol plus vite, et en fait cette particularité là je l'ai assimilée à toute ma série, parce que comme j'ai un club qui avait tendance à rester longtemps dans le sol, et ben cette petite particularité là que j'ai mis sur toute ma série, ça m'aide à du coup tout simplement à avoir un divot plus fin et plus comme je veux. Alors mes distances, 58, on va dire des distances 100%, pardon, ça va être 95 sur du 58, après je suis 115 mètres sur 52 degrés, 46 degrés je suis à 132, fer 9 je suis à 142, fer 8 155, fer 7 165, fer 6 175, fer 5 je suis à 188, 189, et après fer 4 202, fer 3 210, 212, fer 2 je suis à 220, après 225 du tee, et après bon bois 3 je suis à 235 au sol, 240 sur le tee, et le drive je suis à un carry de 265, 270, voilà. Et le club le plus important du sac, c'est ma partie, on va dire, où je suis le plus à l'aise au niveau du golf, c'est le putting. Et ça, c'est un Odyssey. Alors, le nom, je ne sais pas exactement, c'est un Odyssey 7. Et voilà, j'ai un grip super stroke. Bon, le shaft standard de chez Odyssey. Alors, pour les balles, moi, j'utilise les Pro V1. J'utilise le modèle 2019 parce que c'est le modèle qui me correspond le mieux au niveau du spin de la balle, et du coup depuis 2019 je suis resté avec cette balle parce que les nouvelles balles ne me correspondaient pas personnellement. Je dis bien personnellement parce que c'est vraiment propre à chacun. Et après les gants, je suis sur du Stasoft en médium KD large. Voilà ce qu'il y avait dans mon sac. Merci d'avoir regardé, et puis je vous souhaite un bon golf.